Bonjour à tous, bienvenue sur la démo de la VFE Coral Reef. Une pédale de chorus analogique, mais alors bien plus que du chorus. Hein. VFE annonce ça comme étant un chorus, mais ça va beaucoup plus loin. Je trouve que les autres démos sur YouTube pour l'instant, en tout cas, ne lui font pas complètement honneur. Ça sonne très bien, on a de belles démos, mais on n'a pas tous les sons, toutes les possibilités. Alors j'ai travaillé mes réglages, je nous ai trouvé 6 sons différents dans cette pédale, mais complètement différents. Hein. Donc on parle de vibrato, chorus, flanger, ring modulator, delay slapback, et le dernier, j'ai appelé ça un peu un flanger sci-fi, c'est-à-dire un dérivé de flanger. Vous allez voir, c'est bon, faut écouter pour comprendre. Ceux qui connaissent la version modifiée de la BF2 The Flan par MSM reconnaîtront facilement le son, ça s'articule un peu de la même manière. On retrouve un peu des sonorités de la BF2 modifiée, vous verrez. Donc la VFE, Coral Reef, pas mal de réglages possibles. Le dry wet, hein, le mix, le bouton de mix, le réglage assez courant, hein, def et speed ici, ce qu'on trouve à peu près sur n'importe quel PL de modulation. Alors à la différence près qu'ici, on a un switch 3 positions avec un temps de délai en fait à appliquer à l'ensemble du son, short, medium et long au bout ici. Le feedback, donc qui rajoute de la résonance, hein, puis vous verrez, ça donne des sonorités assez spéciales. Et puis width, qui joue sur la longueur de délai. Vous allez voir, c'est un peu tout ça s'articule un peu difficilement au début. C'est une des pédales où c'est pas aussi simple que n'importe quelle pédale de chorus habituelle où on a speed, def, et puis voilà, ça va très vite. Là, ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, au-delà de ça, on a aussi en interne 3 trim pots à l'arrière qu'on peut régler. Alors, le premier règle l'intensité de la LED. Donc, ça va vraiment au détail, hein, l'intensité de la LED. Le deuxième trim pot règle, lui, le headroom de la MN3008 qui est utilisé. Alors, FVFE met ça en avant. On utilise une 3008 plutôt que d'autres références connues aujourd'hui. Ça, c'est un amplificateur opérationnel qui est plus utilisé, qui est plus fabriqué du moins aujourd'hui. Et puis donc on a dit quoi, le headroom de cette puce, la LED, et puis le dernier, ça m'échappe. Le dernier trimpot, lui, il règle quoi? Il règle. Je suis incapable de vous le dire. Je vais regarder ça dans le livret en faisant tomber les médiators. Alors le dernier. Le volume, voilà simplement le volume de sortie de la pédale, puisqu'on ne peut pas le régler ici en façade, on peut le régler une bonne fois pour toutes sur le trimpod, donc c'est vraiment au détail. Le switching aussi est particulier, vous allez voir, on peut switcher de deux façons différentes. Alors elle est through bypass, par relais, alors elle fonctionne normalement, hein, vous appuyez, vous rappuyez, ça s'éteint, voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Mais si vous enchaînez une petite manip, la LED clignote, et là elle devient fugitive, c'est-à-dire qu'il faut rester appuyé pour que l'effet soit on. Si vous lâchez, voilà. Alors ça peut être très pratique, par exemple sur un son un peu vibrato très rapide, de finir certains accords comme ça, et puis de finir un riff, je sais pas, une chanson, une compo. Ça peut être sympa. Alors j'ai pas vraiment travaillé ce truc-là, mais ça peut être fait, ça sera pas fait dans la vidéo, mais à vous de faire si vous avez l'occasion de tomber sur cette pédale, de l'avoir en main, ben vous verrez bien. Alors on va attaquer tout de suite avec un réglage de chorus forcément, et puis on enchaînera, j'annonce de toute façon le type de son. Alors c'est parti pour du chorus, je vais essayer de me régler. Il y a beaucoup de on va tripoter pas mal du potard, hein, sur cette démo, vous verrez, je vais essayer de meubler en attendant. Voilà, donc on va commencer avec un chorus, le son clair sur une Gibson SG. Ah oui, c'est vrai, alors j'ai changé tout de suite de type de switching, ce sera fait. Voilà. Thank you.
vibrato. Vibrato. Flanger. Donc là on passe en mode long. Thank you.
pour le petit passage solo. Puis le dernier son. Enfin non, l'avant-dernier son, il y a encore des sons, hein, comme quoi ça, on n'a jamais fini avec cette pédale. Donc voilà. Ça sera du délai slapback. Assez appréciable et assez fou. Dernier son répertorié cette fois. Alors comme on pousse le MN3008 à son extrême limite, à ses possibilités, sur pas mal de réglages on a du hiss et puis du voilà carrément le. Ah, donc il faut pas exagérer du width ici sur la position longue. Voilà le dernier son. Flanger poussé à l'extrême, j'appelle ça un sci-fi, moi j'aime bien appeler ça comme ça. C'est très science-fictionnesque comme ça. De profondeur par son que vous trouvez. Vous pouvez à chaque fois switcher. Alors on va revenir à un chorus par exemple ici. On va essayer de s'y retrouver. J'ai noté pas mal de choses moi du coup.
superbe pédale que cette Coral Reef VFE. Jusqu'au boutiste du chorus, vraiment pas mal de possibilités, pas mal de sons. C'est très particulier, vous pouvez avoir vraiment votre son, votre propre son avec cette pédale, c'est vraiment génial. Je conseille, c'est vraiment bien fini, c'est propre. Électroniquement, on choisit les meilleurs composants. On va jusqu'au bout, même dans l'esthétisme sympathique, même si c'est très simpliste. On met pas simplement analog chorus, quoi, on appelle ça Coral Reef, et puis ça va au bout des choses. Donc vraiment une bonne pédale à conseiller. Peut-être qu'un de ces jours on se fera un autre modèle de chez VFE sur la chaîne. À suivre, affaire à suivre. Bonne pédale si vous avez l'occasion d'essayer, foncez.